Et on disait en ce temps-là, lorsque le jour s'en allait et la nuit tombait, nos arrière-grands-parents n'avaient pas besoin de lampe pour éclairer leur maison. Car leur maison était éclairée par les lampes du bon Dieu qui n'étaient autres que la lune et les étoiles. Cric! Crac! Yé cric! Yé crac! Yé mystique! On raconte aussi en ce temps-là, lorsque nos arrière-grands-parents voulaient travailler la terre, ils n'avaient pas besoin de dépenser toutes leurs énergies. Ils n'avaient qu'à faire appel à leur ami le bon Dieu, lui qui descendait avec ses barbes, ses longues barbes, ses longues moustaches. Et il avait derrière ses amis qui apportaient ses barbes et ses moustaches. Et on raconte, ses amis, c'était les séraphins, les chérubins, les anges. Et on disait que le papa bon Dieu, lui, qui marchait devant et ses amis derrière, apportait ses longues barbes et ses longues moustaches qui mesuraient 27 750 km de long. Et on raconte en ce temps-là, les séraphins et les chérubins, lorsque nos arrière-grands-parents avaient fait appel à leurs amis, le bon Dieu, pour venir, pour leur venir en aide. Et le bon Dieu, lui, avec ses amis, il descendait sur une musique qui partait comme ça, mes amis. Tili bo a gossi le basson yo, il est allé par le bon chahé, il est o a gossi le kahé, tili bo a gossi le kahé. Sayo.